Alors, bonjour à toutes et à tous. Est-ce que tout le monde m'entend bien, dans le fond? Ça marche? Super. Donc, comme c'est une présentation flash, je vais vous faire la présentation orale tout seul. Je l'ai travaillé avec ma collègue Valérie Durieux, qui est juste ici. Et donc, la BICFB, comme Paul l'a présenté, est un consortium. Et on a fait en 2017 une étude sur les identifiants uniques des chercheurs. Qu'est-ce que c'est l'identifiant unique d'un chercheur? Eh bien, il se fait que, tout comme pour un livre, parfois le titre ne suffit pas à le déterminer de manière univoque. Par exemple, si je vous parle du Phèdre, vous ne savez pas si c'est celui de Racine ou celui de Platon. C'est exactement pareil pour les personnes. Moi-même, j'ai un homonyme, Bruno Leclerc, professeur de philosophie à l'Université de Liège. Voilà, c'est un bon exemple. Alors, pour les livres, on a déjà un outil performant, c'est l'ISBN, qui identifie de manière univoque une édition d'un livre. Pour les périodiques scientifiques, il y a l'ISSN. Pour les articles, il y a le DOI, qui vous est familier. Pour identifier les personnes, il existait déjà, par exemple, le Scopus ID, le Researcher ID, etc. Mais tout ça, c'est rattaché à des plateformes commerciales, donc sans garantie. Alors, il y a un identifiant des chercheurs qui émerge depuis quelques années, depuis 2012, qui est l'identifiant ORCID, et c'est celui donc que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, ORCID, c'est pour Open Researcher and Contributor Identifier. L'organisme qui gère ORCID, c'est une organisation américaine not-for-profit. C'est très important parce que donc, dans les administrateurs, il y a à la fois effectivement des éditeurs commerciaux, des bibliothèques universitaires, d'autres institutions comme des financeurs de recherche, etc. Il y a quelque chose qui est clairement établi dans les statuts, c'est que plus de la moitié des administrateurs doivent venir du secteur non marchand pour éviter qu'il y ait une réappropriation commerciale des données. Donc, comme je vous disais, ORCID, Open Researcher and Contributor Identifier, c'est-à-dire que l'identifiant et les données qui y sont liées sont non propriétaires. Alors, dans la forme, c'est un identifiant unique composé de 16 chiffres, qui peut aussi prendre la forme d'une URL qui mènera au profil lié à l'identifiant. Pour les chercheurs, tant l'inscription que l'utilisation sont gratuites et vont le rester. Le financement, il est fait par les institutions qui se font membres d'ORCID, qui est déjà utilisé mondialement par un certain nombre d'éditeurs, par des organismes de recherche, par des organismes de financement. Quels sont les bénéfices d'ORCID ? Je vais parler plutôt du point de vue des chercheurs. L'identifiant ORCID permet de distinguer le chercheur et de veiller à ce que les résultats de sa recherche et de ses activités lui soient correctement attribués. Ça veut dire pas attribués à quelqu'un d'autre, mais ça veut dire qu'il n'aura pas non plus, si c'est bien géré, deux profils différents avec différentes publications parce que voilà, il n'y avait pas de certitude sur l'attribution. Il relie le chercheur de manière fiable et facile avec ses contributions, aussi avec ses affiliations. Donc quand il change d'université, l'historique reste attaché à son identifiant. Il améliore la reconnaissance et la possibilité de découverte pour les chercheurs et pour les résultats de sa recherche. C'est-à-dire qu'ultimement, comme il y a une meilleure qualité de données, une meilleure exhaustivité de données, ça peut offrir une plus grande visibilité aux chercheurs et permettre à des gens qui auraient des propositions de collaboration à lui faire de peer review, de vraiment bien cerner le profil du chercheur. Un autre bénéfice très important d'ORCID, c'est qu'il est durable. Alors il est durable d'une part parce que c'est sa finalité, donc comme je disais, il existe des identifiants commerciaux, mais sans aucune garantie, c'est-à-dire que si Elsevier décide que Scopus ne doit plus être exploité, on ne sait plus utiliser le Scopus ID. Le but d'ORCID est d'être durable. Et ensuite, non seulement c'est leur finalité, la finalité d'ORCID, mais ils en ont les moyens, c'est-à-dire que la force d'ORCID, c'est d'avoir atteint très vite une masse critique. En 2017, ils avaient à peu près 30% des chercheurs avaient un identifiant ORCID. Depuis 3 ans, on est sur une progression à peu près de 60% par an. Et alors, je suis allé voir hier, et il y a maintenant presque 1000 organisations qui sont membres d'ORCID. Donc voilà, il y a vraiment une masse critique qui a été atteinte qui permet d'être très prometteur à ce niveau-là. Alors... Donc, comme je le disais, ORCID permet de distinguer les chercheurs de leurs homonymes. J'avais une slide très drôle que vous ne verrez pas, désolé. L'homonymat, c'est un problème qui est très très présent dans des pays, par exemple, comme les pays asiatiques. En Corée du Sud, il y a 3 noms de famille qui recouvrent 50% de la population. C'est évidemment pas aussi fort en Europe, mais l'homonymat existe.
En plus de ça, il y a évidemment des graphies différentes qui coexistent, initiales, second prénom, etc. Et puis des changements de nom en cas de mariage, en cas de volonté, etc. Tout ça est résorbé à l'intérieur de l'identifiant ORCID. Une des très grandes forces également de l'identifiant ORCID, c'est qu'il est interopérable. C'est-à-dire qu'il va être utilisable sur des plateformes d'éditeurs, sur des plateformes propres à l'université, par exemple le dépôt institutionnel, sur les plateformes des financeurs. Donc le but, c'est que tout ça soit en interrelation. Ce qui est très pratique pour un chercheur, c'est que du coup, par exemple, au niveau de la connexion, il va avoir un compte qui va lui permettre de se connecter à toutes ces différentes plateformes. Donc, tu ne vas pas avoir besoin d'avoir une multiplication de login, de mots de passe, etc. Il y a un compte qui permet de se connecter à tout, avec du coup des formulaires qui peuvent être très remplis, pas besoin d'à chaque fois rentrer sa liste de publications. Tout ça est entre guillemets pré-mâché. Du coup, il y a aussi des échanges de données qui sont facilités, automatisés. Le chercheur garde le contrôle de ces données. Mais, par exemple, une institution va pouvoir valider le fait qu'effectivement tel chercheur est bien affilié auprès d'elle. L'éditeur peut valider qu'effectivement c'est bien tel Bruno Leclerc qui a écrit cet article, celui qui a cette orchide-là, et pas un autre qui pourrait vouloir profiter de l'homonymat, par exemple, admettons. Voilà, donc ça c'est la force d'ORCID, c'est l'interopérabilité. Le mantra en quelque sorte, c'est « enter once, reuse often ». Et donc, il y a une intégration d'ORCID un petit peu dans tout l'écosystème de la production scientifique. Concrètement, où pouvez-vous utiliser votre identifiant ORCID en tant que chercheur ? Vous pouvez l'utiliser par exemple pour soumettre un manuscrit. C'est déjà possible chez beaucoup d'éditeurs et de grands éditeurs. C'est requis chez certains éditeurs comme Public Library of Science, dans certaines revues de chez Springer. Et pour donner un exemple, si vous vous connectez, vous soumettez votre manuscrit chez Springer en utilisant votre ORCID ID, ça veut dire que les données de votre publication vont être directement apportées dans votre profil. Ça veut dire que si on va voir votre article sur le portail de Springer, vous pourrez cliquer sur une icône directement et voir votre profil ORCID ID. Ça peut vous permettre de demander un financement sur une plateforme de financeurs de la recherche. Ça vous permet de vous connecter par exemple sur DMP Online pour établir un data management plan, etc. etc. Alors, je ne vais pas du coup vous afficher un exemple de profil ORCID, mais grosso modo, il y a quelques sections, vous pouvez mettre une petite biographie, évidemment la liste de vos publications, des financements que vous avez obtenus, du peer reviewing, etc. Ce qui est plus important, toujours dans une idée de transparence et de contrôle de ces données par le chercheur, c'est que vous pouvez définir des paramètres de visibilité pour chacune des données, publiques, strictement privées, ou visible uniquement par des parties autorisées. Les parties autorisées, ce sera éventuellement des individus que vous aurez autorisés vous-même manuellement, mais de manière plus pratique, ce sera par exemple, vous soumettez un manuscrit donc, chez Springer, en même temps, vous cochez des cases pour autoriser Springer à remplir votre profil, à accéder ou pas à vos données. Donc tout ça, c'est extrêmement paramétrable. Évidemment, l'idée, c'est qu'il y ait eu un échange, une circulation des données. Donc si tout est sur privé, ça n'a pas forcément beaucoup de sens. Mais le but n'est pas non plus de devenir un second ResearchGate, par exemple, etc. Donc en tous les cas, le chercheur garde à tout moment la possibilité de privatiser ses données, même si dans l'ensemble, dans la majorité, effectivement, elles sont au moins accessibles aux trusted parties. Je ne vais pas non plus vous montrer comment vous créer un identifiant ORCID, c'est très simple. Il vous suffit d'aller sur une URL orcid.org/register et ce sera fait. Voilà, merci. Je peux vraiment vous inviter à créer votre ORCID si ce n'est pas encore fait. Orbi sera ORCID compliant normalement à partir d'Orbi 2, donc de septembre 2019, je crois que nous le voyons. Et c'est vrai que ça va faciliter beaucoup le travail pour les composants. Voilà, donc ORCID c'est ORCID.